En russe, alors. Donc, Bedrat Hashem, Shavua Tov. Alors, Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire, ce soir, de faire le Daf Yud de Matret Ktubot. Donc, on est toujours dans la souligne de Petar Patouar. Donc, je reprends doucement, doucement en Daf Yud. On était en haut de la page. Alors, on redémarre. Très bien. OK. Donc, voilà. Donc, on avait parlé hier, on avait vu la discussion entre Rabbi Lazar et Shmuel sur le fait de savoir est-ce qu'on croyait le mari quand il disait Petar Patouar Matsati pour faire perdre la Ketouba à la femme. On avait dit que Shmuel, lui, pensait que la femme, elle est, que le mari, il est néman de dire que la femme, elle n'avait pas le Petar Patouar et donc qu'il ne lui doit pas la Ketouba. Alors, on nous dit la Gemara qu'il y a un autre enseignement de Shmuel qui va dans le même sens. Itmar Amar Nechman Amar Shmuel. Mishum Rabbi Shimon ben Elazar, Chachamim tiknou lahem les bnot Israël. Les Chachamim ont institué pour les bnot Israël, donc cette Mishnah, on la verra plus loin, que pour une betula, libtula mataim, pour la betula, elle recevra 100, 212. Et la almana, donc une almana ou une gusha ou n'importe quoi, une femme qui a déjà été mariée, quoi, elle recevra mané, elle recevra 112. Et nous dit là l'enseignement de Shmuel que aussi de la même manière, les mêmes Chachamim qui ont cru et qui ont institué, je veux dire, la Ketouba, ils ont aussi cru le mari quand il dit que Petar Patouar. Petar Patouar Matsati. Donc, ils l'ont cru quand il disait Petar Patouar Matsati. Alors, Gemara se pose la question, si c'est comme ça, si vraiment les Chachamim ont cru l'homme quand il va dire que Petar Patouar Matsati, donc qu'est-ce que les Chachamim ont gagné dans leur Takana? Parce qu'on sait très bien que la Takana de la Ketouba, elle a été faite, comme on avait déjà vu tout ça dans Maaseret Yebamot, que les Chachamim ont été metaken haketouba pour ne pas qu'un homme ait de facilité à divorcer sa femme. Pour qu'il divorce, il ne divorce pas sa femme, mais qu'il réfléchisse à deux fois et qu'il sache que ça va l'engager à payer quelque chose, etc. Donc les hommes ne vont pas, ils vont avoir plus de mal à divorcer leur femme. Donc là, si tu me dis qu'un homme il peut se débarrasser de devoir payer la ketouba en donnant cet argument-là, que tu sais, au moment du mariage, j'avais trouvé le pétard patoir. Alors là, dans ce cas-là, les Chachamim n'ont rien gagné en faisant cette takana de Ketouba. Nous dit la Gemara, non, un homme ne va jamais faire une chose pareille. Un homme ne va jamais dire que Petar Patouar Matsati, parce que sinon ça lui ferait perdre son mariage. Ça veut dire qu'il a payé une soirée du mariage pour rien. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Amar Rava, Chazaka, En Adam, Toréar, Baseoda, ou Mavsida. C'est-à-dire que c'est clair que si jamais ce type-là, il détestait la femme et qu'il ne voulait pas avoir le pays actuel, mais juste un petit peu stable, se marier avec elle et puis après l'a jeté sans lui donner la ketouba, il se serait pas marié parce qu'il a organisé, il a payé un mariage, il a fait une soirée. Et donc c'est clair que un type, il n'est pas dans cet esprit-là de vouloir lui faire perdre sa ketouba de cette manière-là. Très bien. On en dit la Gemara Tana, o il veknas chachamim hu, puisque cette takana de la ketouba, c'est un knas chachamim, la Gemara va tout expliquer. C'est pas un knas, on n'a personne à punir, mais en tout cas, la Gemara, au début, elle dit comme ça. Puisque c'est un knas des Chachamim, l'otikbe et la minaziborit. L'encaissement de la Ketouba ne devra être fait qu'à partir de Ziborit. Alors, Ziborit, il faut savoir que il y a trois niveaux de qualité de terrain qui ont été fixés par les Chachamim, enfin fixés, qui ont été classifiés. Il y a trois classes de terrain. Il y a ce qu'on appelle Idit. Idit, c'est le meilleur terrain, c'est-à-dire que les terrains qui sont de meilleure qualité, qui donnent de très bons fruits, qui ont une demande incroyable, etc. Donc, c'est vraiment les terrains de très bonne qualité. Ça, c'est ce qu'on appelle Aïdit. Il y a Benonit, c'est les terrains de qualité moyenne. Et il y a Ziborit, qui sont les terrains de qualité vraiment dernière qualité, basse qualité. Et donc, nous dit la Gemara que puisque la Takana de bah, c'est une Takana qui est que des Rabbanan. Donc, on a institué que ce soit fait et que le paiement de la Ketouba, il soit en ziborit. Voilà. Ça vous rappelle, Mazal Et hey, what's up? Voilà, donc là, on a juste vu pour l'instant un premier point. Ce qu'on a vu, c'est que la Ketouba, d'après Shmuel, il pouvait lui faire perdre en lui disant Petar Patouar Matsati, comme on avait vu hier. Et la Gemara avait expliqué que malgré tout, les Chachamim, ils ont quand même institué la Ketouba et on va pas se dire qu'un type, il va faire perdre la Ketouba à sa femme en donnant cet argument-là, parce que finalement, la Gemara s'était demandé tu dis, tu es un type qui veut faire perdre la Ketouba à sa femme, il dit Petar Patouar Matsati, et puis il est libéré.
Dans ce cas-là, on n'a rien gagné avec l'histoire de la Ketouba, qui est d'empêcher les hommes de divorcer leur femme. La Gemara dit non, un type, il ne fait pas ça en général, parce que si vraiment lui, il détestait sa femme, il ne se serait pas marié avec elle dans le vide. Si lui, il dit Petach Matoch Matsati, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Un type, il ne va pas se dire, c'est quoi, je vais me marier, je vais faire une soirée de mariage, je vais payer une blinde pour la soirée du mariage, et après, le lendemain, je vais dire Petach Matoch Matsati. Un type, il ne dit pas une chose pareille. Donc, s'il le dit, c'est que c'est un argument qui est valable, et donc c'est pour ça qu'on va le croire. Comme ça disait Shmuel. Maintenant, on en est là à peu près à 6 lignes après le début du Hamoud, Afud, Hamoud Aleph. Tana, on a dit ici que puisque c'est un din des Rabbanan, la Ketouba, c'est un din des Rabbanan, alors il y a un Tosfot très important ici pour savoir est-ce que c'est ça la conclusion à la Khalema Asi, est-ce que la Ketouba, elle est de Oraita ou des Rabbanan. Pour l'instant, en tout cas, la Gemara ici, elle a l'air de dire que la Ketouba, elle est des Rabbanan. Puisque la Ketouba, elle est des Rabbanan, donc quand on va venir encaisser la Ketouba, quand la femme, elle va venir encaisser la Ketouba, elle ne le fera que de Ziborit. Alors, Ziborit, comme j'étais en train d'expliquer, c'est une qualité basse de terrain. Donc, on sait que les terrains ils sont divisés et classifiés en trois catégories. Aïdit, c'est la catégorie les terrains de très bonne qualité. Benonit, c'est les moyens. Et Ziborit, c'est les basses qualités. Donc, on te dit que puisque c'est des Rabbanan, on n'encaisse que de Ziborit. On sait la Gemara dans Baba Kama qui expliquait que, par exemple, les Nezakin, on les encaisse de Aïdit. Les Balchov, on les encaisse de Benonit et la Ketouba, on encaisse de Ziborit. Chaque, en fonction des différents Chovot, les Chachamim sont situés de devoir encaisser des Ziborit, de la Benonit ou de la Hidit. Bien entendu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas payer d'un autre type de terrain. Mais en tout cas, tu peux si tu veux. Le mari peut dire à sa femme, voilà, moi, de toute façon, je vais te payer. Je vais te payer en Ziborit. Je te paye en Ziborit. Maintenant, encore une fois, au niveau de la valeur de la Ketouba, ça ne va rien changer. C'est ma time zouz, c'est 200 zouz, c'est 200 zouz. Quoi qu'il arrive, ça va être 200 zouz. Maintenant, il y a une différence si tu prends 200 zouz de quelque chose qui est d'une bonne qualité ou 200 zouz de quelque chose qui est d'une mauvaise qualité. Parce que c'est vrai que 200 zouz d'une bonne qualité, ça va être un terrain qui va être plus petit, mais il est de bonne qualité. Tandis que 200 zouz d'un terrain de mauvaise qualité, alors là, dans ce cas-là, le terrain va être plus grand, mais bon, il est de mauvaise qualité. Et donc, c'est plus intéressant pour les gens d'avoir des terrains de bonne qualité. Et là, on te dit que le mari, il peut jeter sa femme en lui disant bah, « je te donne un terrain de mauvaise qualité ». La Gemara, elle te dit « pourquoi tu appelles ça un knas, la Ketouba ?» Ce n'est pas un knas, la Ketouba, knasa, my knasa. Et la Emma, « oh, il veut ta kanat rachamimi, lotik be la minas vibori ». La Ketouba, c'est quelque chose qui est des rabananes. C'est quelque chose qui est mis des rabananes. Ce n'est pas que c'est un knas. C'est que, puisque c'est quelque chose qui est mis des rabananes, donc on encaissera de zibori. Très bien. Maintenant, là, on a vu jusqu'à maintenant les histoires par rapport à la Ketouba Tisha. Maintenant, la Gemara va nous rapporter une marloquette sur cette histoire de la Ketouba Tisha. Est-ce que c'est vraiment Minatora ou pas? Nous dit la Gemara, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ketouba Tisha, elle est Minatora. La Ketouba d'une femme, elle est Minatora. On va voir qu'il a pris ça des psukim, comme on verra plus tard. Il y a marqué Mohar à Betulot. Nous dit la Gemara, Oumiyam Rabban Gamliel, est-ce que Rabban Gamliel a vraiment dit une chose pareille qu'une Ketouba, elle est Minatora? Ve'atania pourrait marquer dans la Braïta. Il y a une braïta qui parle concernant ce qui est marqué dans la Torah, dans la paracha de Mefaté. Mefaté, c'est quelqu'un qui va séduire une femme et qui va aller avoir une relation avec elle. Il y a marqué qu'il doit payer au père de la jeune fille Kemohar à Betulot. Alors, Kemohar à Betulot, la traduction littérale du pasouk, ça veut dire comme quelqu'un qui a violé une femme et qui lui a une femme Betula. Alors, ça, c'est ça le prix du knas, c'est-à-dire c'est 50 shkalim. De là, on apprend que tu dois payer 50 kémoar à Betulot. Et la Gemara, on verra plus tard, elle apprendra que finalement, cette comparaison que la Torah vient mettre entre le Ones et le Mefaté, de dire que celui qui est Mefaté, il va devoir payer kémoar à Betulot. De là, on apprend que les Betulot, le Mefaté, il va payer le même tarif que le Ones, c'est-à-dire 50, et le Ones va payer dans la même monnaie que le Mefaté, c'est-à-dire en shkalim. Parce que dans le Mefaté, il y a marqué Kesef Yishkol Kemoar Abetulot. Kesef Yishkol, le mot Yishkol, ça veut dire de payer des shkalim. Maintenant, en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de là, nous dit la Gemara, par rapport à l'histoire de la Ketouba. Rabban Shimon Gamliel, lui, au départ, il a commencé, il est venu, il nous a dit que la Ketouba est Minatora. La Gemara s'étonne, elle dit est-ce que Rabban Shimon Gamliel, il pense que la Ketouba est Minatora? Pourtant, il y a une Braïta qui nous dit que ce qui a marqué dans la Torah, Kesef Yishkol Kemoar Abetulot, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend Shiye Ze Kemoar Abetulot, c'est-à-dire que l'argent du Mefaté, Mefaté c'est celui qui a séduit, c'est-à-dire qui a été avec une femme en la tuée 10 ans, une Nahara, donc il payera le même prix Kemoar Abetulot.
Kemora Betulot, c'est-à-dire quoi, Kemora Betulot? Ça veut dire qu'il payera le même tarif, c'est-à-dire 50, 50 zouz. 50 shkalim, 50. Le tarif là-bas, il est marqué que c'est des shkalim, 50. Maintenant, nous dit la Gemara, et pareil aussi, on apprend, chez Yézé, que Moab et Toulot, et Moab et Toulot, Kazé, et pareil, on apprend que Moab et Toulot, c'est-à-dire celui qui a fait Onès, Moab et Toulot, c'est la traduction de la valeur des Bétoulim. La valeur des Bétoulim, là-bas, on parle de quelqu'un qui a violé une femme. Donc, il devra payer ce qui lui a fait perdre comme virginité. Donc, on avait dit que c'est fixé à 50, 50 shkalim. Maintenant, en tout cas, là-bas, il y a marqué Hamishim. Et dans la paracha de Mefaté, il y a marqué Shkalim. Donc, on apprend l'un de l'autre pour te dire que ce qui a marqué dans Mefaté, Shkalim, c'est 50 Shkalim. Et ce qui a marqué dans Onès, 50, c'est des Shkalim, ce n'est pas des Zouz. Alors, nous disons à Gemara, ce n'est pas des Maot. Nous disons à Gemara, Amor Abetulot, Kazé. Amor Abetulot, Kazé. On apprend de là-bas hein, que Mikan, Samchou Chachamim, mais Ketubat, Isha Mina Torah. Et aussi, nous dit la Braïta, que de ce pasouk-là, on s'est basé, se sont basés les Chachamim pour apprendre que la Ketubat Isha, la Ketubat d'une femme, elle est Mina Torah. Puisqu'il y a marqué Mohar Abetulot, la valeur des Betulim, et la Gemara, elle comprend hein, que le mot Mohar, ça veut dire, c'est une référence à la Ketuba. Le mot Mohar, c'est un lachon de Nidunia. C'est un petit peu quelque chose on va devoir donner à la femme, quoi. Donc, ça, on comprend de là, du mot Mohar Abetulot, on a une référence Minatora à la Ketuba. Nous dit la Gemara, et Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il te dit non, Ketuba Tisha, il a mis Divrei Torah, il a mis Divrei Sofrim. La Ketuba, elle n'est pas Minatora, elle est Midrabanan. Donc la Gemara s'étonne, comment Rabban Shimon Ben Gamliel, il m'a pu dire juste avant que la Ketuba, elle est Minatora, alors que dans cette braïta-là, on voit clairement que c'est un Akama qui pense que c'est Minatora. Mais Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, il pense que la Ketuba, elle est Midrabanan. Alors nous dit la Gemara, première réponse, Ipour. C'est quoi? Tu vas inverser. Tu vas inverser et on va dire que celui qui a dit que c'est Minatora, c'est Rabban Shimon Ben Gamliel. Alors la Gemara dit, pourquoi tu inverses là? Tu n'as qu'à inverser l'autre. Pourquoi tu as décidé que c'est dans celle-là où il faut dire que Rabban Shimon Ben Gamliel pense que c'est Minatora? Peut-être que Rabban Shimon Ben Gamliel, il pense vraiment que c'est Midrabanan. Et il faut inverser l'enseignement plus haut où on a dit que Rabban Shimon Ben Gamliel avait dit que c'était Minatora. On n'a qu'à changer là-bas et dire que c'est Midrabanan. La Gemara te dit, Maï Khalid Afartabatraïta Forkamaïta, pourquoi tu n'inverses pas le premier enseignement? Il dit la Gemara, j'ai déjà un autre enseignement duquel je vois ça que Rabban Shimon Ben Gamliel lui pense que la Ketouba est Minatora. C'est quoi l'enseignement d'Etnan comme c'est marqué dans la Mishnah? C'est une Mishnah à la fin de la Maséchet. Il y a marqué là-bas que celui qui se marie avec une femme en Kaput Kaya et qui va la divorcer en Eretz Israël, il y a marqué qu'il doit lui donner le Sroum de la Ketouba en monnaie locale d'Eretz Israël. Et même si lui, au départ, quand il s'est engagé à payer des kaput kaya, qui sont des pièces qui sont plus grosses que les pièces d'Eretz Israël, malgré tout, lui, il devra payer l'endroit où il se trouve, d'après Tanakama, puisque c'est Midrabanan. Et sur ça, Rabban Shimon Ben Gamliel, il vient et te dit non, il faut payer ce que tu t'es engagé. C'est comme un chov, c'est comme la ketouba, c'est quelque chose duquel tu es chayav minatora. Donc tu dois payer selon ton engagement, et l'engagement, tu l'as fait quand tu étais en kaput kaya. Donc tu devras payer les pièces de kaput kaya. Maintenant, c'est dans cette Gemara là-bas, la Gemara là-bas, il faut regarder exactement, parce que est-ce que ça veut dire que tu vas payer 50 au lieu de payer des euros, tu vas payer des shekels? Ou alors non, c'est la valeur des euros en shekels. Ça, c'est plus logique que Vadaï, que la personne ne va pas payer, elle s'est engagée à payer 50 euros et comme elle arrive en Israël, elle va payer 50 shekels. Ça, c'est sûr que non, les Chora. Mais elle s'est engagée à payer 50 euros. Donc, quand tu arrives en Eretz Israël, tu vas payer c'est combien? Je sais plus, 180 shekels, je ne sais pas combien. En tout cas, il y a quand même une discussion. Est-ce qu'il va devoir payer des shkalim ou il va devoir payer des kaput kaya? D'accord? Alors, nous disons comme ça. Donc, on voit clairement que Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, ici, nous dit que la femme, elle recevra des kaput kaya, ce qui est l'engagement de départ. Puisque vu qu'en départ, quand ils se sont mariés, qu'ils s'est engagé à payer la Ketouba, il était en Kaput Kaya, même si après ils ont fait leur alia, ils sont venus en Eretz, eh ben, il ne payera que, il devra payer le tarif cher, on va dire, entre guillemets, puisqu'il va payer en pièces de Kaput Kaya, qui sont des pièces qui sont plus grosses. Et apparemment, il y a un avantage dans ces pièces-là. C'est ce que nous dit l'agma ici. Rabban Shimon Gamliel Omer, Notenna Mimaot Kaput Kaya, il devra lui donner les pièces de Kaput Kaya. Donc de là, on voit que la Ketubat Isha est Minatora. Donc lui, il était Meshubat de lui payer ces pièces-là depuis le départ Minatora comme une Alva, n'importe quelle Alva. Et puisque lui, il s'est engagé au moment de l'écriture de la Ketubat à payer des pièces de Kaput Kaya, donc il devra lui donner ces pièces-là, donc les pièces de la Kaput Kaya. Maintenant,
Dans le Tosfot, là, du Brahma Matril Noten, ici, il parle de ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est le tarif euro en shekel ou shekel en euro ou shekel en euro? Bref, en tout cas, voilà. Nous dit la Gemara, autre. Donc finalement, voilà. Donc la Gemara nous dit qu'on inverse. On dit que Rabban Shimon Gamliel, il pense que la Ketouba, elle est Minatora. Et pourquoi je préfère inverser dans ce sens-là? Parce que j'ai une autre Mishnah où je comprends implicitement que Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que la Ketouba, elle est Minatora. Autre enseignement, nous dit la Gemara, autre réponse, je veux dire, Veibaïtema, nous dit la Gemara, une autre réponse, pas besoin d'inverser. C'est quoi? On laisse que Rabban Shimon Gamliel, c'est vrai qu'il a dit que la Ketouba, elle est Minatora. Maintenant, la Braïta, où il y a marqué que Rabban Shimon ben Gamliel vient dire que c'est de la banane, il faut le corriger de la manière suivante. Kula Rabban Shimon ben Gamliel, il faut corriger de la manière suivante. Mikan, Samkhu Chachamim Ketubat Isha Minatora. Les Chachamim ont dit que la Ketouba d'une femme, elle est Minatora. Par contre, la Ketouba d'une Almana, qui s'est déjà mariée, alors elle est Midivrei Sofrim. Ena Midivrei Torah, Ena Midivrei Sofrim. Chez Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ketubat Almana, Ena Midivrei Torah, Ena Midivrei Sofrim. La Ketouba d'une Almana, elle n'est pas Minatora, mais elle est Midivrei Sofrim. Très bien. C'est Midi Rabanan, finalement. Il faut corriger la Braïta en disant que quand Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit que la Ketouba est des Rabanan, il parlait de la Ketouba d'une Almana. La Ketouba d'une Betula, elle est Minatora, qui est Mohar à Betula. Tu as marqué, on parle de la Betula. Et la Ketouba d'une Almana, elle est Midi Rabanan. Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara va nous raconter plusieurs histoires par rapport à quelqu'un qui aurait prétendu avoir trouvé un pétard patoir et comment les Chachamim ont réagi par rapport à cet argument-là. Nous dit la Gemara, Aoudata de Kamed Rav Nachman, un type, il est venu devant Rav Nachman. À Marley, il lui a dit, à Rav Nachman, il lui a dit, Petar Patoar Matsati. Voilà, j'ai trouvé qu'elle n'était pas Betula, que Petar Patoar. À Marley, Rav Nachman, il a dit, Asbou Koufré, frappez-le celui-là avec des feuilles de palmier. Mais mi Barketa Chavitale. Mi Barketa Chavitale, ça veut dire que lui, il a les zoonotes de la ville de mi Barketa qui couchent chez lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme. Attends, mais là, j'ai raté la fin finalement. C'est quoi qui. Rabban Shimon dit quoi? Donc, Ben Rabban Gamliel Shimon dit. Gamliel, première réponse de dire qu'on inverse et il pense que c'est Minatora. Et deuxième réponse, c'est de dire que Rabban Shimon Gamliel, il pense que c'est Midera Banane pour la Almana. Quand il a dit que c'est Midera Banane, il ne parlait pas de la Betula, il parlait de la Almana. Donc, on fait un Chissouré Mersera, Katané, on corrige la Braïta en disant que, voilà, quand il a dit que la Ketouba est Midera Banane, il ne parlait pas de la Betula, il parlait de la Almana. D'accord? Donc, là, c'est ce que la Gemara nous a dit. Maintenant. Ok, et pour une femme normale, ils sont d'accord avec les rabbins ou ils sont en Donc, marloquette? ça veut dire que Rabban Shimon ben Gamliel, sur lui, on n'a plus de contradiction. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué sur ça ou pas? On ne sait pas. On avait Ok. vu que, enfin, là dans la Gemara, c'est vrai qu'au départ, on avait vu que c'est les Chachamim qui ont institué la Ketouba de Mané ou Mataï, mais il y a un Tosfot, le premier Tosfot du Hamoud ici, qui s'allonge de savoir est-ce que la Ketouba les Minatora, c'est une grande Nafkamina. Il y a Khoriot, c'est même une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim, etc. De, est-ce qu'on rajoute le mot de Horaïta dans la Ketouba? Ça pose beaucoup de problèmes à chaque fois, cette histoire. Le mot Mataim Zouz de Chazi ou de Horaïta, est-ce qu'on le rajoute ce mot-là ou on ne le rajoute pas? En tout cas, ouais, je sais que les Sfaradim en général, ils n'aiment pas trop le mettre et les Ashkenazim, ils le mettent. Bon, en tout cas, du Tosfot ici, Il n'y a pas de marloquette alors. quoi? Il Non, faut qu'il est-ce qu'il y a une marloquette une entre grande les. marloquette, à la Khalema, c'est une grande marloquette ce que. Non, non, mais dans sur finalement, on a dit qu'on inversait la chita. Donc si on inverse la chita, la marloquette reste. Mais si on n'inverse pas la chita, on peut dire que Dans cette elle, le braïta-là, tout le raït. monde pense que c'est Minatora. Ah, Mais d'accord, exactement, dans cette ok. braïta-là, tout le monde pense que c'est Minatora. Mais après, il y a d'autres enseignements. Il y a d'autres Ok. enseignements. Par exemple, Tosfot, il rapporte un enseignement où on avait vu que chez l'autre cas, quand il reste presque avant Tosfot, je regarde rapidement. Je ne sais plus. Non, Tosfot, lui, il rapporte qu'apparemment, il y a une autre dans la Gemara, dans les Bahamas, ça serait plus Machma. Que ce serait dans des Rabbanan, comme c'est Mashma ici. Dans Yibamot, on avait vu dans Daf Petet, qui rapporte une Lagmara, que l'extrême disent que pourquoi ils ont aimé Takana Ketouba, pour chez Loteka, Kalab et Navleotsia, pour ne pas qu'on ait de mal, on la divorce facilement. Donc c'est Mashma, c'est un petit peu Midé Rabbanan. Alors qu'après, il s'étonne, il dit pourtant dans la Ketouba, on marque le mot Midéoraita, Mataim Zouz, Dechazou, Lechim, Midéoraita. Il y a plusieurs explications, est-ce qu'on le garde ce mot Deoraita ou on ne le garde pas. Bref. En tout cas, la Gemara continue et elle nous dit, voilà, Aouda, je reprends l'histoire alors que tu es revenu pour l'histoire.
Il y a une histoire où il y a quelqu'un qui est arrivé devant Rav Nachman et il lui a dit, voilà, pétard patoir matsati. Amar Rav Nachman, il a dit, frappez-le celui-là, parce que comment il peut comprendre c'est quoi pétard patoir? Il te dit, il faut à sa boue, à coufre, et frappez-le avec des feuilles de palmier. Mais Birketa chavitale, les zonotes de la ville de Birketa couchent chez lui. Ça veut dire qu'il a l'habitude des zonotes pour savoir est-ce que c'est pétard patoir ou pas. Je dis à Gmara, pourtant Rav Nachman n'avait vu plus haut qu'il disait qu'il était Meheman. Vea Rav Nachman ou de Amar Meheman. Gmara dit oui, t'as raison, Meheman, on va le croire, mais on va aussi le frapper parce que c'est, si il sait de quoi il parle, c'est qu'il y a un problème. Meheman ou Masbin Anle, Koufre. Rav Acha et Meshane, lui, Rav Acha lui répondait qu'en fait, non, Rav Nachman, pour répondre à Rav Nachman, on peut répondre d'une autre façon, qu'il a dit qu'on va le croire Khan Bebarkour. Dans l'histoire de Rav Nachman où il ne l'a pas cru, on parle d'un Bakour qui est venu avec une Betula et donc là, lui, on va dire que c'est sa première fois qu'il a une Béhila, donc lui, on va le frapper. S'il dit qu'il connaît, c'est qu'il y a un problème. Tandis que plus haut, quand il a dit qu'on le croit, c'est quand on parlait peut-être d'un type qui a déjà été marié au préalable. Kan Ben Nassou. Continue avec ma Aoudata, les Kamés des Rabban Gamliel. Il y a un type, il y a un Khatan qui est arrivé devant Rabban Gamliel et il lui a dit Pétar Patoir Matsati. J'ai trouvé un Pétar Patoir. Amal, il lui a dit Shemaïteta. Peut-être que tu as été de côté, donc tu n'as pas. Tu as cru que c'était ouvert alors qu'en fait c'était pas ouvert. Il lui a donné un machal. Alors le machal est un petit peu dur à comprendre, mais bon, on va le faire en gros. Le machal, ce qu'il dit comme machal, amshal lecha machal le madavar domé. Le adam shayam ealech beishon laila, comme un type qui allait dans la nuit et il ne voit pas clair devant lui. Beishon laila va fait là. Et il y a quelque chose qui l'empêche de rentrer dans la maison, il y a la porte qui l'empêche de rentrer à la maison. Mais par contre, s'il se met de côté, il arrive à rentrer dans la maison, il a l'impression que la maison elle est ouverte alors qu'en fait en réalité, la porte de la maison elle est fermée, mais lui comme il s'est penché donc il a l'impression que c'est ouvert et donc il est rentré par une petite ouverture on va dire. Ita metzao patuar, si jamais il s'est penché il a trouvé ouvert. Lo ita metzao naoul. Donc je dis pareil toi aussi. Toi tu dis que tu as trouvé un pétard patuar, peut-être que tu as trouvé un pétard patuar parce que tu as pas été dans le, tu n'as pas, tu as été beataya, tu as été en te penchant. Donc c'est pour ça que c'était le pétard patuar. Il y en a qui expliquent le machal de Rabban Gamliel d'une autre façon. Il a dit que, en fait, normalement, la ataya, le fait de contourner la partie des Betulim, c'est quelque chose qui ne se fait pas de manière instinctive, comme ça, involontaire. Si c'est fait, c'est forcément de manière volontaire, Bémézid. Donc, on change un petit peu le machal. Et il lui a dit, Rabban Gamliel, peut-être que Bémézid, tu as cherché à éviter les Betulim. Ou schéma Bémézid iteta. Peut-être que Bémézid, tu as fait une ataya Bekavana. Et donc, Ve'akarta les dasha ve'avra, et donc tu as déraciné la porte avec le verrou. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, il y avait une porte qui était fermée, et donc toi, tu as réussi à contourner de manière volontaire pour entrer sans être gêné par cette porte qui bloquait. Il lui a donné le même machal pratiquement. Emshal lecha machal le madavar domé, le adam shumayer bishon laila va. Fait là un type qui allait dans la nuit, il tape une musique lorsqu'il s'est penché. De manière bémézide, il a trouvé la porte ouverte. Si jamais l'oïta bémézide, metsa onaoul. Donc, pareil, toi aussi, tu as dans ta relation, dans la berila, tu as fait la berila beataya, et donc c'est pour ça que tu as trouvé la porte ouverte. Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara. Aoudé atale kamé de Rabban Gamliel. Il y a un type qui est venu devant Rabban Gamliel, bar Rebi. Cette fois-ci, c'est Rabban Gamliel, le fils de Rabbi. Donc, c'est le fils de Rabbi. Et donc, il y a un khatan qui est venu devant lui qui lui a dit Amarle Rabbi Baal Tivelomat Satidam. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus une tana de pétard patoir, c'est une tana d'amim. Il dit voilà, on a mis le tissu, on a mis le drap, et je n'ai pas trouvé de sang sur le drap. Donc, il y a un problème de Betulim. Amralo, elle lui a dit la femme, mais je ne comprends pas, je suis Betula, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu de dame. Rabbi Betula Haïti, j'étais Betula à ce moment-là. Amarlaim, il leur a dit Rabban Gamliel, et Viouli Otosuda, apportez-moi ce tissu-là, apportez-moi ce drap et on va voir ce qui se passe là-bas. Et Viouli Otosuda, ils ont apporté ce drap. Ve Ushra Obemaim, ils l'ont mis dans l'eau, Ve Ripsou, et ils l'ont lavé. Umatsa Alav Kamati Pedamim. Et en le lavant, il a trouvé quelques gouttes de sang. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était le Zera, le Shirvat Zera, qui avait recouvert le dam et donc il restait quelques gouttes de sang. Alors, il n'y en avait pas des tonnes, mais il y avait quand même assez de gouttes de sang pour pouvoir prouver qu'elle était Betula. Amarlo lui a dit, Rabban Gamliel, Khatan lui a dit, c'est bon, l'er zecheb mikrecha, vas-y, va acquérir ton achat, ça veut dire, c'est bon, tu peux rester avec cette femme-là.
n'y a aucun problème. Ces taches de sang prouvent bien qu'elle était Betula. On dit une autre histoire. Marley Una Marbere de Ravam Barzakia de Ravashi. Il a dit Una le fils, Una Marbere, Una Mar, le fils de Ravam Barzakia, il a dit à Ravashi. Ananamin David Achi, alors nous aussi en Bavel, on va peut-être faire la même chose. De, si jamais il y a un khatan qui vient et qui dit qu'il n'a pas trouvé de sang, on va laver son tissu et puis on va voir s'il y a du sang, peut-être qu'on trouvera des taches de sang. Alors il lui a dit, c'est pas la même chose chez nous. À Marley, il lui a dit Ravashi, à Una Marbere de Ravam Barzakia. Il lui a dit, c'est pas la même chose chez nous. À Marley, il lui a dit, on avait déjà vu ça dans Matret Taanit. Gi'utz chez la nous, kekibutz chez la M. En fait, nous, la qualité de notre eau, elle n'est pas autant que la qualité de l'eau qu'il y a en Eretz Israël. Ça veut dire que nous, pour arriver à une qualité de lavage aussi bien qu'en Eretz Israël, il faut qu'on fasse un gi'utz. Gi'utz, ça veut dire un repassage. Ça veut dire qu'on va utiliser une pierre spéciale pour frotter. Alors, donc, c'est que comme ça qu'on arrive à avoir un nettoyage autant et d'aussi bonne qualité qu'en Eretz Israël. Alors, il lui a dit, donc c'est pour ça que nous, de le mettre dans l'eau, ça ne suffirait pas. Alors, il lui a dit, alors, on n'a qu'à faire un guillot, alors on n'a qu'à utiliser cette pierre-là et passer avec la pierre, et donc on lavait de cette manière-là. Il lui a dit, oui, mais le problème, c'est qu'en frottant avec la pierre, quand tu vas frotter, ça va faire sauter le sang, donc tu vas pas rester. Donc, c'est-à-dire que le seul moyen de voir, c'est avec une eau de très bonne qualité, comme l'eau d'Eretz Israël. Guillot, c'est la nous qui bout, c'est la. Notre guillot, ça nous, il est comme leur lavage à eux. Veillez à Martin avec guillot, et si tu veux qu'on fasse un guillot, ça marche pas, mais à Bralé Khumrata, le frottement de la pierre va faire sauter et va laver la tache de sang, et donc on ne la verra pas. Continue Agmara. Aouda Atale Kame de Rabban Gamliel Bar Rebi. Il y a un type qui est venu devant Rabban Gamliel Bar Rebi et il lui a dit Amar les Rabbi, Baltivlomatsati Dam, j'ai été avec ma femme et j'ai pas trouvé de sang. Donc il a une Tanat Damim. Tanat Damim. Amralé lui a dit, la femme lui a dit, mais Rabbi, Adaïm Betulani, je suis encore Betula. C'est-à-dire que c'est pas que, dans le cas dans la première histoire, la femme elle avait dit que non, j'ai perdu mes Betulim, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et là, dans ce cas-là, la femme a dit, je sens que je suis encore Betula. Ça veut dire qu'on a une relation, mais je suis encore Betula. On dit la Gemara, Amar il leur a dit, Rabban Gamliel Bar Rebi, il leur a dit, voilà, j'ai une solution de vérifier ça, on avait déjà vu ça dans Maseret Yebamot. Il leur a dit, Aviouli Shtesh Fakot, apportez-moi deux servantes, je vais d'abord faire un test. La Gemara, elle va dire, expliquer tout de suite pourquoi il y a besoin de passer par un test avec une servante avant de le faire directement sur la femme en question. Mais en tout cas, il a dit, apportez-moi deux chifrotes, une Betula et une qui n'est pas Betula. Chifrotes, Echad Betula, Echad Beaula. Aviouli, ils m'ont apporté donc ces deux servantes. Donc ces servantes, c'est des femmes qui ne sont pas des notes Israël classiques. Donc voilà, comme la Gemara va expliquer tout de suite après. Ve'oshivan al pichavit, il les a mis sur des cruches de vin qui étaient ouvertes. Et donc elles se sont assises sur ces cruches. Et nous dit la Gemara que celle qui était Beroula, Recha Nodef, elle avait l'odeur qui sortait par sa bouche. Ça veut dire que le vin, il était rentré par l'ouverture de la femme et il était ressorti par sa bouche. Et celle qui était Betula, non, il y avait un blocage, il y avait justement les Betulines qui bloquaient le passage et donc l'odeur n'est pas passée. Betula en Recha Nodef. C'est un petit peu bizarre, mais bon, en tout cas, voilà, c'était un moyen. On avait vu dans Matret Yebamot qu'ils avaient fait comme ça avec Pilegesh Bagivra, ils avaient fait comme ça pour vérifier les femmes qui avaient. Voilà, donc c'était. C'est pas Pilegesh Bagivra, je crois que c'est Yavesh Gilad. Ouais, juste avant le temps de Pilegesh Bagivra. En tout cas, on dit la Gemara que Betula en Recha Nodef. Af Osh Afzu, donc par la suite, il a fait la même chose avec cette femme-là. Et au Shiva, il l'a mis sur la cruche de vin. Velo a yarechanodef. Et l'odeur ne passait pas. Ça veut bien dire qu'elle était encore Betula. Amarlo lui a dit, c'est bon, l'air zeche bemikracha. Va, tu peux mériter de ton achat. Ça veut dire qu'elle est encore Betula. Il dit Agma, pourquoi on n'a pas vérifié directement la femme? Pourquoi il a fait d'abord l'expérience avec une Shifra? Benivdok meikara. Mais Gava, il aurait dû directement vérifier avec la femme. Il dit Agma que Gmara avait chmialé, qu'en fait Rabban Gamliel, lui, il avait entendu ça seulement dans l'enseignement. Ça veut dire que il avait entendu que c'était un moyen que à l'époque de ce qu'on avait expliqué qu'à l'époque de Pilegesh Bagivra, que les Ménisraël, ils ont tué tous les gens de Yavesh Gilad parce qu'ils ne sont pas venus faire la guerre contre les chevets de Binyamin avec leurs frères. Donc, et sur ça, on avait dit que les Bétoulot qui n'avaient pas été avec un homme, ils les ont laissés vivants et ils les ont donnés au reste des femmes de Binyamin. Et en fait, dans l'agma de Yebamot, ça va s'expliquer que pour vérifier les bnot de Yavesh Gilad, ils avaient fait
justement ce test-là. Donc, il avait entendu que ce test-là, il marchait. Mais il n'était pas sûr, il voulait savoir s'il le faisait bien ou pas. Donc, au lieu de prendre une batte Israël et d'être mezalzel, de manquer de respect à une batte Israël en lui faisant ça, il a préféré prendre une chifra. Une chifra, il avait moins de scrupules à lui manquer de respect qu'à une batte Israël. Parce que c'est un petit peu un manque de respect, mais quand on dit qu'une femme qui vient pour faire le test, bon, ok, c'est pas très, très mechoubad, mais bon, c'est une chifra aussi, c'est pas très grave. Disons que pour la chifra, c'est un manque de respect. Tandis que pour une batte Israël, de lui faire ça, c'est un manque de kavod, ça peut lui faire honte. C'est ce que nous dit la Gemara ici, que Gemara Veshmiale, Emma Aselo, Avechade, il n'avait jamais vu cette histoire-là, et il pensait que Dilma Lokimle Begave, Debita Shapir, peut-être qu'il ne savait pas exactement comment faire cette vérification-là. Donc c'est pour ça que Lav Urach Ara, les Isoulés, dans Israël, ce n'est pas le DRRS de manquer de respect, d'être mésalvé dans les mains d'Israël en leur demandant de venir s'asseoir sur une cruche de vin pour faire une médica qui n'est pas valide à 100%. Donc c'est pour ça qu'il a préféré d'abord s'entraîner sur une chifra. Continue l'agma et elle nous dit Aoud et Atal et Kamé, il y en a un qui est arrivé devant Rabban Gamliel Hazaken cette fois-ci. C'est le grand Rabban Gamliel, ce n'est pas le fils de Rabbi. C'est Rabban Gamliel Hazaken qui était le grand-père de Rabban Gamliel qu'on a cité plus haut. Très bien. Maintenant, on nous dit l'agma que Rabban Gamliel Hazaken, lui, il y a un khatan qui est venu le voir et qui lui a dit que Amarlo Rabbi Balti Velo Matsati Dam, je n'ai pas trouvé de sang. Amralo, elle lui a dit la femme Rabbi. Moi, je suis parti de la famille d'Urkati, on en a parlé la dernière fois. Donc, c'est une famille qui n'a ni de sang de Nida, ni de sang de Betulim. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de sang de Betulim. Alors, Badak, il a vérifié Rabban Gamliel Bikrovotea dans ses proches, les proches de cette femme-là. Est-ce que c'est vrai qu'il venait de la famille d'Urkati? Ou Matzak, ils ont vu que c'est vrai qu'effectivement, il n'avait pas de sang de Betulim. Et donc, c'était vraiment vrai cette histoire. Amarlo lui a dit, c'est bon, l'air Zahé Bemikrecha, va, tu peux garder ta femme. Et il lui a dit, Rabban Gamliel lui a dit, Ashrecha shezachita le mishpachat d'Urkati, heureux sois-tu d'avoir mérité une famille d'Urkati. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est positif d'avoir une femme qui vient d'une famille de d'Urkati? Alors, il lui a dit, déjà, premièrement, c'est quoi cette histoire de d'Urkati? Amai d'Urkati, pourquoi cette famille-là, elle s'appelait d'Urkati? Nous dit l'Agmara, d'Urkatua, ils ont une génération coupée, ça veut dire quoi? Puisqu'ils n'ont pas de sang de Nida, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une génération coupée. Amar Avranin, Tanchumim Shel Eben, Nichamo, Rabban Sheman, Rabban Gamliel, Leoto Aish. C'est une consolation de veine, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas valable ce que Rabban Gamliel a dit à cet homme-là, puisque en réalité, au contraire, ce n'est pas bien que la femme, elle vienne d'une famille de Durkati, puisque quoi? Netanir Abichia. Il y a marqué dans un enseignement d'une braïta que Rabbi Chia a rapporté, qui nous dit que Keshem chez Aseor Yafé Laïsa, de la même manière que le Seor, donc le levain, est bon pour la pâte, pareil, de la même manière, le sang est bon pour une femme, pour avoir des enfants et pour la grossesse. Kach Damim Yafim Laïsha. Vetana Mishum Rabbi Meir, Koishach Damim Amerubim, Bane Amerubim. Il y a marqué que toute femme qui a beaucoup de sang, elle a beaucoup d'enfants. Ça veut dire qu'une femme, le sang de doute, c'est au contraire, c'est bien pour une femme. Donc, quand il lui a dit Ashrecha chez Zachita et Dorkati, c'était du dans le vent. Peut-être qu'il lui a dit ça au moins pour un petit peu l'encourager, peut-être, mais ce n'était pas quelque chose de vrai. Itmar, Diagma, Itmar, Abiyamia, Baraba, Amar, Zeche, Bemikrecha, Amar, il lui a dit mérite dans ton mécart. Et Rabbi Shimon Rabin Amar, Nitrayev, Bemikrecha, Amar. En fait, quand il lui a dit, il ne lui a pas dit. Soit méritant de ton. Enfin, c'est pas un sroud, mais c'est un triou. C'est quelque chose avec des inconvénients que tu as mérité. Donc, finalement, quand il y a des inconvénients, ça va dans le même sens de ce qu'on avait dit juste avant, à savoir que la femme, cette femme-là, elle n'allait pas avoir beaucoup d'enfants. En plus, la Maléman d'Amar Nitraïev, celui qui dit Nitraïev, je comprends, c'est ce qu'il a dit à Franina, c'est-à-dire que la famille d'Urkati n'avait pas beaucoup d'enfants. Alors, et la Maléman d'Amar, Zecha, celui qui lui a dit mérite. Maïs Routa, c'est quoi le mérite d'avoir une femme qui est comme ça, qui n'a pas beaucoup de sang de Betulim, beaucoup de sang de Nida? Alors, moi, elle te dit, Deloha, Télide, Safek Nida. En fait, le trout ici, il est de ne pas rentrer dans les problèmes de Safek Nida. On nous dit la Gemara, pourquoi? Parce que bon, le fait qu'elle n'a pas de sang, donc elle va avoir moins de Shélot, de Nida qui vont se présenter à elle. Continue la Gemara, elle nous dit Aouda Atal et Kamé des Rabbi, il y a un type qui est venu devant Rabbi et qui a dit Amar, il lui a dit Rabbi, je n'ai pas trouvé de sang.
Amarle, Rabbi lui a dit, Balti velo, non. Amarle lui a dit, Rabbi, Balti velo matatidam. Amrale lui a dit, la femme, Rabbi, Adani Betula Haiti. J'étais Betula à ce moment-là, au moment où j'étais avec lui. Il dit, Gamara, Ushne Batsoret avait. Et en fait, ce moment-là, c'était une période de sécheresse et de famine. Et donc, finalement, Ra'a Rabbi Shepnem Shorim, il a vu que les gens qui viennent en face de lui, ils étaient avec un teint mat, ils étaient noirs. Donc, c'est un petit peu un siman comme quoi ils souffraient de malnutrition. On nous dit la Gemara que Tziva Alehem, il a dit, ah, j'ai compris l'histoire, en fait, il n'y avait pas de sang parce que, à cause de leur malnutrition, leurs membres, ils sont affaiblis, ils ne sont pas fermes. Donc, il a ordonné de les faire entrer, de les laver. Ichnisom la Merchatz. Et là-bas, Ichiloum, il leur a donné à manger. Veishkoum, il leur a donné à boire. Et donc, ils sont revenus, ils ont eu un aspect et un teint qui était meilleur. Il leur a dit après, rentrez dans une chambre et laissez-les avoir une relation ensemble. Yirnisum la cheder ou Baal, et donc il a été avec elle, Baal ou Matsadam. Effectivement, il a trouvé le sang de Betulim. Donc après avoir vu ça, Marlo, il lui a dit, le Rabbi Ochata, il lui a dit, l'air tu peux garder ta femme. Elle est complètement Betula. Carré Rabbi Alem, Rabbi, il a appliqué sur le passage qui a marqué dans Echa, par rapport à la famine dans Yerushalayim. Safad Oram al-Atsamam, Yavesh Aya Ke'etz. Lorsque sa peau, elle colle sur ses os, ça veut dire que tellement il y a une grande famine, Yavesh Aya Ke'etz, pareil, tous les membres aussi sont secs comme du bois. Et donc, c'est ce qui a entraîné que les Betoulim, eux, ils n'étaient pas imbibés de sang assez pour pouvoir saigner, pour pouvoir prouver comme quoi était Betoula. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même carrément, ce muscle-là ne s'est pas déchiré, ça veut dire. Ce n'est pas Stam qu'il y avait un muscle qui a été déchiré, mais que ça n'a pas donné de sang. Mais c'est que finalement, à cause de leur malnutrition, leur morphologie a été telle que là, le muscle il était peut-être comme de l'élastique ou peut-être il se déchirait même pas, quoi. Continue maintenant la nouvelle Mishnah. Donc on attaque la nouvelle Mishnah, deuxième Mishnah. Bah, Baruch HaShem, on a fini la première Mishnah de la Maseret. Deuxième Mishnah de la Maseret. Alors maintenant, on nous dit la Gemara, c'est la fameuse Mishnah qui nous dit que Betula Ktubata Mataim. La Betula, elle a, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet de la Ketuba. La Ketuba, comme le nom de la Maseret, la Ketuba, le Shtar Ketuba, à l'intérieur, donc, sont marqués les engagements que l'homme a envers la femme pour le mariage et en cas de divorce aussi. Donc là, on va parler de la clause qui est marquée dans la Ketuba, de ce qui se passe en cas de divorce. Parce que nous, on a l'habitude de faire un résumé en disant que. Faire un raccourci en disant que la Ketouba c'est les Matayim Zouz, mais en fait la Ketouba c'est pas que ça, la Ketouba c'est tous les engagements que le mari a envers la femme. Maintenant, il y a un des engagements du mari envers la femme, c'est qu'en cas de divorce ou en cas de mort du mari, il y a une conséquence financière de devoir payer une somme, donc ce qu'on appelle la somme de la Ketouba. Donc nous disons que Betula, elle a une Ketouba de 200 Zouz, Matayim Zouz, Matayim. Mais Almana, une Almana, une femme qui a déjà été mariée, oui, que ce soit son mari qui est mort ou alors qui est divorcé aussi. Mané, elle a une Ketouba de un Mané. Très bien, ça c'est la base. Maintenant, on dit la Gemara, la Mishnah, Betula, une Betula qui est Almana, qui a été veuve, donc des Iroussines, ça veut dire que finalement, elle s'est juste fiancée, elle n'a pas été mariée, elle était juste fiancée. Donc là, ou alors Groucha, Khaloutsa, Mina Iroussine, ou alors elle a été divorcée, ou alors Khaloutsa, Mina Iroussine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de relation avec son premier mari. Alors dans ce cas-là, leur Ketouba reste Mataim, puisqu'elle ne s'est jamais mariée, elle n'a pas été Nessouaïe, elle n'était que Arusa. Et en plus, elle est Betula, donc Betula qui n'a jamais été mariée, sa Ketouba, elle est Mataim, même s'il a déjà été fiancé. Maintenant, et Yesh la même, Tana de Betulim, mais sur ces femmes-là, on pourrait aussi avoir un argument de Betulim, puisque c'est pas parce elle n'a pas perdu sa Khazaka de Betula par le fait d'avoir été Arusa. Alors on va voir qu'en Yehuda, c'est un petit peu différent, parce qu'en Yehuda, elles perdent leur statut. Mais en tout cas, ça va être la Mishnah d'après. Mais en tout cas, la Gemara, la Mishnah nous dit que, de manière générale, une femme qui a juste été fiancée, qui n'a pas été mariée, qui n'a pas été sous la coupa, elle a encore sa chazkat betula. Et donc, si jamais elle se marie avec quelqu'un comme étant une betula, il y a une tana de betulim. Très bien. En même temps, dit la Gemara, Mai almana, c'est quoi le mot almana? D'où vient ce mot almana? On dit la Gemara, le mot almana, il provient justement du tarif de la almana. Almana, elle reçoit un mané. Amar Avrahana Bagdata, Almana Al-Shem Mané. Elle va recevoir le Mané. Nous dit la Gemara, alors d'accord, mais l'Almana Minan Eroussim, elle ne reçoit pas un Mané, elle reçoit Mataim, tu m'as dit. Donc comment est-ce qu'elle s'appelle aussi Almana? Almana Minan Eroussim, Maïka Lemema.
Non, puisque la Almana Minanissouine, elle reçoit un mané. Donc c'est pour ça que la Almana, on les appelle toutes les Almanot. Aïde deha karele Almana, hanami karele Almana. Très bien. On dit Agma, Almana dektiva beraita maikalemima. On a marqué dans la Torah Almana. Comment ça marche? On sait très bien que la Ktouva d'une Almana, on avait vu plus haut que même celui qui pensait que la Ktouva était Minatora, la Ktouva d'une Almana, elle est Midrabanan. Donc dans ce cas-là, comment ça se fait que la Torah elle a appelé Almana Almana, alors qu'en réalité, c'est les Chachamim qui ont institué que la Almana allait recevoir un mané. Donc dit la Gemara, en fait, finalement, des Atidin Rabanan, des Metaknela mané. La Torah, elle l'a appelé l'Almana au nom du futur, comme quoi les Chachamim allaient lui instituer un mané. C'est un petit peu une prophétie de la Torah actuelle. Est-ce que la Torah décrit les choses al shema atid ou mi katav kral et atid? Est-ce que la Torah, on a déjà trouvé un équivalent où la Torah elle a écrit les choses en donnant une appellation qui fait référence à quelque chose qui va se passer dans le futur? Oui, on a déjà trouvé ça. In, c'est marqué dans le verbe Bereshit veshema narashlishi dirti veshema narashlishi hidekel ou aoler kidmat ashur. Le troisième nar, il s'appelle hidekel, lui qui va aller kidmat ashur, qui va aller à l'est de ashur. Il y a marqué que Rav Yosef, il te dit, Vétané Rav Yosef, Ashur, c'est quoi Ashur? C'est la ville qui s'appelle aujourd'hui Slika. Et donc, Njagmara, Oumi, Avay, est-ce que cette ville de Slika a été déjà construite au moment de la création du monde pour dire que la Torah, elle a précisé, elle t'a dit que le Nahri desquels il passe à côté de cette ville-là, cette ville-là, elle n'existait pas. Au début de la création du monde, cette ville-là, elle n'existait pas. Donc, ça veut dire quoi quand la Torah, elle te dit que le Nahri desquels est passé à l'est de Ashur? Ça n'existait même pas Ashur. Et là, c'est pour te dire, Njagmara, d'Atida, que c'est une ville qui allait être dans le futur. Donc, on voit que la Torah te parle Al-Shem Atid. Achanam, il paraît aussi, quand elle te parle d'une Almana, que la Torah l'a appelée Almana, c'est Al-Shem Atid que les Chachamim vont lui fixer un mané de Ketouba. Autre enseignement, comme nous a rapporté un enseignement de Rav Chana Bagdata par rapport à un jeu de mots, donc on va voir, enfin, par rapport, on va dire, à des définitions de mots. Pas un jeu de mots, parce que vous allez voir que ça n'est pas forcément un jeu de mots à la suite. En tout cas, on va voir un autre enseignement de Rav Chana Bagdata sur ce même type de sujet. Il te dit, Amar Rav Chana Bagdata, Matar, la pluie, elle a plusieurs ma'alot, comme on avait déjà vu dans Maseret Ta'anit, que la pluie, elle a beaucoup de ma'alot. Et certaines ma'alot, c'est celles qui sont citées ici, nous dit la Gemara. Il nous dit, Rav Chana Bagdata, que c'est mashke, c'est quelque chose qui arrose. Marvé qui abreuve, Mézabel qui engraine la terre, Méaden qui donne de la splendeur aux fruits, ou Mamshir qui fait pousser les fruits de la terre. Donc ça, tout ça c'est la pluie. Donc on voit, ce n'est pas un jeu de mots, il n'y a pas de mot matar, même tête rêche, il n'y a pas de racheter votre. Stam, c'est de dire les qualités de la pluie. Amarava bar Rabbi Ishmael, Vitemar Raviemar bar Shalmaya. Sur quel passage on apprend ça, nous dit Agmara, c'est un passage en Télim. Télamé à Ravé Nachet. Donc les Télamim, les sillons, tu vas les abreuver. Donc on voit que ça arrose et que ça abreuve. Donc on voit déjà les preuves de première qualité. Mashke, ça arrose, ou Marvé, et ça abreuve. Nachet. Après, Gedoudéa, Birvivim, Temogegena. On voit que Gedoudéa, Birvivim, c'est les gouttes de pluie qui vont venir et qui vont abreuver la terre. Et grâce à ça, Temogegena, la terre, elle va être abreuvée et elle va avoir donc de l'engrais et elle va donner des fruits qui vont être de bonne qualité. Temogegena, c'est ce qu'on apprend du mot Temogegena, comme ça Rashi explique. Et Tsimcha Tevarer, ça veut dire que le Tsemar, la plante, elle va être bénie. Donc ça veut dire qu'on voit que les fruits vont être beaux, de bonne qualité et ils vont bien pousser. Grâce à la pluie. Donc, on voit que, de ce passage-là, on voit que la pluie, elle apporte tous ces bienfaits-là. Maintenant, comme on nous a apporté un enseignement sur la pluie, maintenant, on nous a apporté un autre enseignement de Rabbi Elazar par rapport à un autre jeu de mots. Nous disons, Marama Rabbi Elazar, Misbeach, le mot Misbeach. Alors là, le mot Misbeach, là, c'est un petit peu des jeux de mots. D'où il vient ce mot-là? Nous disons, Marama, il a plusieurs qualités, le Misbeach. Premièrement, il est Mesiach. Mesiach, ça veut dire qu'il retire. C'est quoi, il retire? La Gemara, au début, elle comprend, il retire les fautes. Après, Oumechabev, Oumezin, Mizbeach, Meziach, il les retire. Oumezin, et il nourrit le monde par le mérite des corbanotes qui viennent et qui apportent la bracha dans le monde. Mechabev, ça veut dire qu'il entraîne l'amour envers le Ham Israël, d'accord, je vous comprends, envers le Ham Israël. Mechaper,
il pardonne les fautes. L'agma va nous dire la même chose, mais ziar, retire les fautes ou pardonner les fautes, quelle différence? L'agma va tout expliquer. Aïnou mechaper, aïnou meziar, c'est exactement la même chose. L'agma, non, pas du tout meziar, c'est pas qu'il retire les fautes, c'est qu'il retire les mauvais décrets. Mais ziar, xerot, mechaper, avonot. Donc c'est un petit peu le Inyana de Yoma, là où on commence dans le Shmona Asar Betamouz, là, le jour du jeûne, demain. Donc c'est le Inyana du Misber. On montre un petit peu ce qu'on a perdu, quoi. En tout cas, continue avec Marie, nous rapporte un autre enseignement de Rafrana Bagdata. Rafrana Bagdata, Tamar, les Tmarim, les dates, elles ont aussi plusieurs qualités. C'est quoi? C'est Meshachnan, elles chauffent le corps. Mesavan, elles rassasient. Meshachilan, elles entraînent la diarrhée, pour ceux qui ont des problèmes de constipation. Mais Ashran, elle renforce le corps. Velo mefankan, et elle ne dégoûte pas. Lo mefankan, c'est-à-dire que ce n'est pas histanis, comme ça, Rashi rapport. Même si c'est très matok, normalement le matok, ça dégoûte un petit peu. Elle, non. Ça n'entraîne pas une histanisout aux gens. Très bien. Continue avec Marie, elle nous explique que Amarav, Achal Tmarim, celui qui a mangé des Tmarim, Al Yore. Il ne peut pas enseigner. Pourquoi? Parce que les Tmarim, c'est un petit peu comme le vin. Ça peut enlever la concentration et faire perdre la concentration. Il dit Agmara, ah bon, mais pourtant il y a marqué que Métiv et Tmarim, il y a marqué que Shacharit ve'Arvit, après le repas du matin et le repas du soir, il y a faute, elles sont très bonnes pour le corps. Mincha en après-midi, avant le repas du soir, après avoir fait la sieste, Ra'ot, c'est mauvais, parce que c'est avant de manger, c'est mauvais. Et Batsauraim, après le repas de midi, Batsauraim, donc au midi, Enkemotam, c'est le meilleur moment. Elles ont le meilleur impact sur le corps, le midi, les dates. Pourquoi? Parce que celui qui mange après un repas, donc il a il reçoit tous ses bienfaits de Tmarim. Donc en tout cas, on voit ici que c'est quelque chose qui apporte des bienfaits. En tout cas, mais il y a marqué quoi? Que mais Vatlot, Shloshadvarim, les dates, elles entraînent d'annuler trois mauvaises choses. C'est quoi? Marshavara, les angoisses, c'est un anti-angoisse, ou un antidépresseur, ou un anti-angoisse. Donc les dates. Cholemaim, ça enlève les problèmes d'intestin. Vetartoniot, ça enlève les problèmes de. Tartoniot, qu'on appelle ça? De. Comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle ça. C'est pas les hémorroïdes? Hémorroïde, Khadak, hémorroïde, exactement. Cherchez le mot, Khadak. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que voilà, donc les tmarim, c'est bon pour les hémorroïdes. Dit la Gemara, mi amrinan de l'homme à nous. La Gemara, ça ne contredit pas. Je ne t'ai pas dit que les tmarim, ça n'a pas des bienfaits. Je suis d'accord avec toi que les tmarim, ça a beaucoup de bienfaits. J'ai juste dit qu'après avoir mangé des tmarim, tu ne peux pas être moré au rat, tu ne peux pas trancher une halakha. C'est comme le vin, midem me abrinat de l'omalou, alouye ma alou, c'est très bon, ou le fish à tatada, mais au moment où tu les manges, t'es un petit peu dans les vapes. Ou le fish à tatada, midem de ave achamra, c'est comme le vin. La marmar ajouté revitiaïn, alioré, celui qui boit un revit de vin, il ne doit pas enseigner de halakha. Tout ça, pourquoi? Parce que ça va un petit peu le rendre un petit peu saoul, bien que le vin, ça a beaucoup bien fait dans notre part. Ou alors, autre réponse, nous dit l'agma, iba et tema. Autre réponse, lokashia amikame naama a lebatar naama. Ça dépend si c'est avant le pain ou après le pain. Avant manger, c'est pas bon, tandis qu'après manger, c'est bon. Damar Abaye, Amrali M, elle m'a dit, ma mère, donc c'était la mère adoptive de Abaye, elle lui a dit, tmare les dates, mikame naama avant le pain, qui narga les dikula. C'est comme une hache dans un palmier. Ça veut dire que ça déchire, quoi. C'est pas bon. Tandis que les tmarim que tu manges après le repas, batarnaama, après avoir mangé du pain, nous dit la Gemara que ça renforce le corps qui avra les dasha. C'est comme une serrure dans une porte, c'est-à-dire que ça renforce, ça bloque, ça retient bien. Nous dit la Gemara, maintenant la Gemara elle va expliquer des étymologies. D'ailleurs, Joseph, je pense qu'il kifferait ces étymologies-là, c'est l'étymologie du mot dasha. Dasha, ça veut dire la porte. C'est quoi la porte? Pourquoi le mot dasha en araméen, ça veut dire la porte? Amar Rava Derech Sham. Finalement, c'est un otaricon de Derech Sham. C'est par là-bas qu'on rentre. C'est par là qu'on rentre dans la maison. Darga, les escaliers ou l'échelle, c'est Darga, Amar Rava Derech Gag. C'est ce qui monte vers le toit. C'est pour ça que ça s'appelle Darga, Derech Gag. Pourya, c'est le lit. Pourquoi le lit s'appelle Pourya? On dit l'agmara, parce qu'Amar Papa, chez Parin, Veravin, Aléa. C'est là où il y a la mitzvah de Piria Verivia qui est accomplie. Donc c'est pour ça que le lit s'appelle Pourya. Alors, termine l'agmara en disant que Rav Nachman Bar Yitzchak te dit que, alors nous aussi, on va défaire la drasha du mot aïlonite. Afin nous nommer le mot aïlonite, pourquoi la aïlonite, elle s'appelle aïlonite? Parce que aïlonite, ça vient du mot aïl. Aïl, c'est
C'est en araméen, c'est le douchanit. En araméen, le haïl, le, comment on appelle ça, le haïl, le haïl, le comment on appelle ça, le haïl, nous, ma chère, Le bouc, non? le bouc, radak. Le bouc en araméen, il s'appelle le dikha, dikha. Et dikha, ça veut aussi dire zahar. Le mot dikha, qui veut dire bouc, il veut aussi dire zahar. Donc c'est ça le haïlonite. Le problème, c'est qu'elle elle ressemble pas à une nekeva, elle ressemble à un zahar. Douchanit de Loyalda. C'est comme un zahar, comme un bouc qui n'a pas d'enfant. Donc c'est ça, la femme, c'est pour ça qu'elle s'appelle Aïloni. Chazak ou Baruch. Donc là, on en est à la Mishnah, Bedrat Hashem. On reprendra demain la Mishnah d'Afuda.